Hello les amis! Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'encre de couleur avec une technique assez simple. On va avoir besoin d'un pinceau de réserve. Ça se présente comme un pinceau dont le manche est un réservoir d'eau. On dévisse la pointe. À l'aide d'une pipette, on remplit le réservoir. Puis, on referme, on enlève le bouchon et on le met à l'arrière du pinceau. Comme ça, on ne va pas le perdre. En pressant sur le réservoir, on peut doser la quantité d'eau qui sort du pinceau. Toujours avec une pipette, on prend une petite quantité d'encre. On ajoute quelques gouttes d'eau car la couleur est assez forte et concentrée. Ensuite, on prend le pinceau de réserve et on l'utilise comme un pinceau classique. C'est plutôt facile. Maintenant, on va passer à une technique de base. On va essayer de colorier une zone précise, un cercle par exemple. On commence par mouiller le cercle grâce au pinceau de réserve. Une fois la zone mouillée, on dépose une petite quantité d'encre sur le papier. Et la couleur va se diffuser naturellement. On peut ajouter un peu plus d'eau grâce au pinceau de réserve ou encore orienter le papier pour diriger la diffusion de la couleur. Avec le pinceau de réserve, on contrôle précisément la quantité d'eau qu'on a besoin. Grâce à ce type d'outil, on peut faire facilement un dégradé. Avant de travailler sur une autre zone, n'oubliez pas de bien laisser sécher la couleur. Maintenant que vous avez compris la technique, on va essayer de l'appliquer dans un cas précis en dessin. Cliquez sur le cadre et vous allez être redirigé sur la leçon qui va utiliser cette technique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour dans notre boutique. On se dit à très vite et en attendant, dessinez bien.